La crise sanitaire qui frappe le pays depuis maintenant des mois prive le public de toutes les programmations. Les programmations de la saison culturelle du Conseil de département de la Somme. En attendant de pouvoir vous retrouver prochainement en vrai, d'entendre vos rires, vos applaudissements, je suis heureux de partager avec vous et mes autres collègues artistes ces lectures d'un jour. Pour cela, j'ai eu envie de vous lire des. Des lettres. Oui, pendant toute ma guerre, j'ai reçu des lettres de tas de gens qui, qui m'aimaient bien, qui ces lettres qui m'ont ému, qui m'ont fait rire aussi. Alors elles sont inspirées de ces lettres parce que je les ai réécrites quand même. Je vais me faire le plaisir de vous les faire partager. Monsieur, c'est bien connu, quand le rideau est tombé, les clowns pleurent. Je suis moi-même dépressive depuis l'âge de 6 ans et je ne crois pas à trop m'avancer en vous disant que je vous ai compris il y a des signes qui ne tombent pas vos éclats de rire incessants votre légendaire joie de vivre votre perpétuelle légèreté autant d'appels aux secours déchirants que les gens ordinaires ne peuvent pas percevoir ne dites pas le contraire allez entre suicidaires on ne peut pas se mentir il suffit de l'avoir vécu pour comprendre derrière le masque de paillettes de votre habit de lumière se cache forcément l'élastique de la tristesse et du malheur le masque l'élastique vous l'aurez compris je suis un peu poète. Nos vies sont parallèles, c'est évident. Vous, vous avez les salles obscures, noires du monde, les limousines noires, les lunettes noires, la chaussette noire, que du noir. Eh bien, moi aussi, les tragédies qui ont jalonné mon existence ont un bien sombre point commun. Elles sont doute absolument ridicules. Personne ne les prend au sérieux. À six ans, mon oncle m'annonce que papa et maman sont morts électrocutés. Après un temps d'hésitation, il rectifie et parle plutôt d'accident de voiture. Sur le moment, j'ai trouvé ça suspect. C'est seulement le jour de l'enterrement, devant l'hilarité générale, que j'ai compris qu'il s'agissait d'auto tamponneuse. Ma grand-mère m'a élevé. Elle était dentelière et parkinsonienne. Toute sa vie, elle a cru qu'elle faisait du tricot. Je lui avais bien dit que dans son état, ce n'était pas très raisonnable de manipuler des aiguilles. À la mort de son chat, je lui même proposé de les moucheter. Mais elle a été têtue et finit par succomber à ses blessures. J'ai donc été placé au centre d'accueil dans les Alpes. C'est là, à 12 ans, que je me suis fait violer par un berger allemand. Euh, pas un chien, un berger. Mais allemand. Oui, ça existe. Blessé dans ma chair, je suis resté toute ma scolarité un garçon très solitaire. J'ai bien dit garçon. C'est d'ailleurs à cette époque que je me suis avoué l'évidence, j'étais une fille au fond. Et là, c'est seulement après l'opération que j'ai réalisé que j'étais aussi lesbien. Comme dit mon frère Cécile, oui, lui aussi, à ce niveau-là, la drogue, ce n'est pas un vice, c'est du médicament. Heureusement, aujourd'hui, je sais qu'avec vous, j'ai enfin trouvé une épaule à qui parler. Alors, monsieur Richard, si je me permets de vous écrire, c'est parce que je vous sais au bord du gouffre, vous aussi. Et je voulais, par cette lettre, vous adresser un message d'espoir. Puisque la vie nous est insupportable, puisque la solitude nous pèse, faisons d'une pierre deux coups. Suicidons-nous ensemble. Votre heure sera la mienne. Je vous laisse le choix des armes. Bien à vous, Albert Ticalcam. Oui, oui, c'est pas toujours drôle ces lettres, mais... Euh... Ah ben j'en ai une autre là, j'en ai une autre. Si. J'en ai plein d'autres. Je les cherche. Je vous écris cette lettre parce que vous avez toujours l'air très sympathique dans les films, et puis au moins, vous, vous n'avez pas le melon. Du coup, je me dis que vous allez forcément être content. Figurez-vous que ma mère va fêter son 54e anniversaire ce 22 novembre. Eh oui, déjà, nous préparons une grande fête familiale en son honneur. Alors, si vous pouviez venir chercher nous à cette occasion, je crois que ça lui ferait une grosse surprise. Bon, évidemment, je me rends bien compte, en vous demandant ça, que c'est un peu délicat. Ben oui, vu qu'elle aurait quand même préféré Gérard Depardieu. Seulement voilà, il n'a jamais répondu à notre demande et le temps presse, c'est dans trois jours. C'est la raison pour laquelle je me suis rabattu sur vous. Comme dit ma mère, faute de grive, on mange des merles. Et faute de Gérard, recevoir son meilleur copain de cinéma, ça lui fera tout de même bien du plaisir. Je vous explique le programme en deux mots. En fait, ça va être plus, mais je ne les ai pas comptés puisque je ne les ai pas encore écrits. Pour commencer, je ne veux pas vous prendre toute la soirée, mais seulement la fin dure pas, pour faire la surprise, quand on remettra les cadeaux. Alors vous allez me dire comment savoir à quelle heure ça va se passer 21h, 22, 23h30, c'est très simple. Pour être tranquille, vous suffira d'arriver à 19h. Et je vous cacherai dans la remise. Au cas où ça durerait un peu, j'ai acheté une chaise, un bon verre de vin pour vous aider à passer le temps. Le moment venu, je vous ferai un signal. Il faudrait une sorte de code secret. J'ai pensé à. Vous pouvez venir on a fini, par exemple. J'imagine la joie de tout le monde à votre apparition dans la salle à manger, un cadeau à la main. Enfin, le cadeau, c'est comme vous voulez, mais ce serait quand même mieux. Elle ne va pas y croire. Vous, vous, chez nous, vous, le meilleur pote à Gégé. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la famille. Alors, bien sûr, je compte sur vous pour nous raconter tout ce que vous avez vécu avec lui, tout ce que vous savez de lui. Enfin, vous avez sûrement des photos avec lui en privé ou avec lui en vacances. N'oubliez pas de les amener. Même si vous êtes dessus, c'est pas grave. D'ailleurs, des photos. Attendez-vous à en faire. Hein. Je sais que vous aimez ça. Vous êtes tous les mêmes. Allez. J'ai donc contacté le journal local de Bagneux pour les prévenir de votre venue. Un peu de publicité vous fera pas de mal. Je ne vous cache pas que là encore, ça aurait été plus facile avec notre GG national. Mais ils se sont libérés quand même parce que c'est des copains. Et puis on chantera, on racontera des blagues, la famille n'est pas à faire de rigolade, et je sais que vous n'êtes pas non plus le dernier pour les conneries en tout genre. Ne dites pas le contraire, j'ai vu tout au film à la télé, enfin ceux avec GG. Je vous donne donc l'adresse 25 rue de l'Artois à Bagneux, c'est facile à trouver, ça donne derrière les entrepôts. Si vous venez en bus, vous prenez 63 qui vous amène à la fourche du diable. Là, vous longerez la gare de triage sur en peine 600 mètres, et c'est à gauche. Euh, je vous déconseille la voiture, ça brûle beaucoup dans, la, dans le coin. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. À vendredi, Arsène Otaké. Cher monsieur le grand blond, je vous aime beaucoup. Vu que chez moi, à Pézenas, on me compare tout le temps à vous, on m'appelle la blonde. En plus, je suis moi aussi un peu artiste, comme vous. Tous les ans, à la voir exposition. Je chante les plus grands succès de la chanson française en m'accompagnant au saxophone. Bon, on ne comprend pas toujours très bien les paroles, mais on reconnaît quand même les chansons grâce à une petite astuce. Je donne le titre avant de commencer. Je suis toujours très applaudi. Mais notre ressemblance ne s'arrête pas là. Comme vous, moi non plus. Je ne fais pas mon âge. Avec ma petite jupe en cuir, mes longs cheveux dorés, et mon pire signe, on ne me donne pas mes 85 ans. Il faut dire que je ne ménage pas mes efforts. À hein. l'épicerie, par exemple, pour ne pas éveiller les soupçons, je continue à acheter des tampons pyrodiques. Ah, je vais aussi tous les mois au salon de coiffure me faire couper la perruque. C'est un peu contraignant, vu que je suis obligé d'en racheter une à chaque fois. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Je vais bien attention à parler comme les jeunes, avec des expressions de jeunes comme c'est bat, dur, dur, ou même ça plane pour moi. J'ai customisé mes béquilles avec des autocollants et je me suis même fait tatouer l'omoplate. Bon, avec le temps, le dessin est un peu descendu, mais on reconnaît bien quand même André Clavaux. Vous le savez mieux que personne, rester jeune c'est du boulot. C'est pour ça que je vous admire tant. Vous êtes incroyable. À chaque rediffusion de vos films, vous ne prenez pas une ride. Les autres animateurs, ils prennent du poil, les cheveux blancs, vous rien. Toujours le même, toujours si fragant, souple, dynamique. Enfin, c'est ce que je croyais. L'autre jour, je vous ai croisé sur le marché de Gruissant. Le choc, vous étiez tout plissé, tout crotté, tout vieux, tout fourbu, tout ventripoté. Depuis, j'arrête pas de me poser des questions. Vous étiez déguisé, vous étiez pour de vrai. Si c'est vrai, c'est vous qui avez baissé les bras, ou est-ce que ça s'attrape Est-ce qu'on a une date limite comme les yaourts, et qu'après on ne peut plus rien faire alors, ça voudrait dire que moi aussi, je vais me réveiller un matin où on ne se retournera plus sur moi dans la rue, où tout sera fini comme ça du jour au lendemain. Je suis très inquiète. Mon cœur bat la charade. Répondez-moi vite, je ne dors plus. Augustine Frippette. Monsieur, cet été encore, la télévision ne resserve aux éternels et élucubrations. En voilà assez. Le public s'amuse, paraît-il, mais si vous voulez mon avis, il est bien le seul. En ce qui me concerne, ces images sont insoutenables. La seule bande-annonce suffit à me gâcher la vie, à alimenter mes cauchemars les plus douloureux. Il faut dire que j'aime l'ordre et la propreté. Je ne vois pas le plaisir que l'on peut trouver à regarder quelqu'un tout casser sur son passage, faire tomber sans vergogne des miettes de la, de la table, décaler des chaises en toute impunité, érafler des rideaux. Taché de la moquette flambant neuve et j'en passe. Il y en a assez de cette violence. Quel exemple déplorable pour notre génération. Oh, je vous vois venir gros comme une maison témoin. À la lecture de ces lignes, vous allez prétendre que mon souci du rangement dépasse l'ordinaire. Détrompez-vous. Je peux vous fournir des certificats médicaux qui attestent que je vais beaucoup mieux. Avant, quand je passais le balai brosse, je ne pouvais pas m'empêcher de le nettoyer lui-même à la pince à épiler. Cette époque est révolue, j'ai plus de balai, je ramasse directement la poussière à la pince. Certes, je n'utilise pas encore les savonnettes qu'une seule fois, mais ça n'est pas être madiaque ça, c'est de la logique pure. En effet, le savon nettoie, mais qu'est-ce qui nettoie le savon Rien. C'est quand même pas de la perversion que de vouloir du savon propre. Et puis, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de me justifier. Si ça me fait plaisir à moi de classer les bibelots de mes étagères par ordre alphabétique le soir avant de me coucher, ça ne dérange personne. Et comme ça, tous les matins, je peux les remettre dans l'ordre décroissant au petit déjeuner. Ça peut vous paraître absurde, mais moi au moins, je fais ça à la maison, dans mon coin. Tandis que vous, non content de semer la pagaille, vous l'imposez à tout le monde, c'est indécent. Et n'allez pas croire que j'aime pas l'humour. Hein. Au contraire, je pouffe même régulièrement. Tenez <laughs> Par exemple, pas plus tard que vendredi dernier, j'ai acheté une bouteille d'eau de Javel. Eh bien, figurez-vous qu'en rentrant chez moi, je me suis aperçu que mon placard en contenait déjà deux. Ah, oh, j'ai bien ri. Oh, je suis même friand de ces petites situations cocasses. Alors, monsieur Richard, je vous en conjure, oubliez ces erreurs de parcours et revenons à un humour qui fait rire, un humour propre, un humour bien rangé. Je sais que vous en êtes capable. Hein. Je vous ai vu, député au TNP, dans une comédie romaine très amusante dont j'ai oublié le titre, mais qui m'avait beaucoup plu. Là, au moins, les personnages savaient se tenir. D'ailleurs, le résultat était à la hauteur, le public pouffait de rue, mais proprement, jamais aux éclats. C'est dans cette voie qu'il vous faut persévérer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors et seulement, alors, vous pourrez compter sur mon soutien. Je compte sur vous, Maurice Lingette. Ah Monsieur Richard, je suis navré. Que dis-je Catastrophé par le paysage politique actuel. A priori, vous allez me dire, et alors Ou bien encore, en quoi ça me concerne Ou peut-être, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Voire même si vous êtes de mauvaise humeur, je m'en contrefous et vous aurez raison. Cependant, avant de juger, laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre. Vous l'avez sûrement remarqué, le seul mouvement politique qui fait quasiment l'unanimité, c'est le mouvement giratoire. On tourne en rond sans bouger. Les uns critiquent les autres, et tandis que les autres défendent ce que font les uns, et je ne parle même pas des uns qui se battent contre eux, entre eux, entre autres. Enfin, entre autres, entre un, enfin bref, il y en a assez de ce spectacle consternant. Seulement voilà, à côté de ça, il y a aussi le ras-le-bol de la consternation, des indignations de salon, des colères d'oisifs marre des éternels jérémiades de comptoir, de ceux qui passent leur temps à passer le temps en déversant leur bilanisé avec l'arrogance des imbéciles. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, monsieur, rien ne sert de se plaindre, il faut agir à point. C'est pour laquelle j'ai décidé de fonder mon propre syndicat. Un syndicat révolutionnaire qui se veut près des gens respectueux de tous. Un syndicat aussi préoccupé par les soucis de proximité que par les problèmes planétaires. Je l'ai baptisé « syndicat local » International et populaire. Mais vous pouvez dire tout simplement le slip. Alors évidemment, pour l'instant, je n'en suis qu'au balbutiement. Je me sens même un petit peu seul dans mon slip. Mais je ne compte pas en rester là. Je compte le remplir assez vite. Alors pour commencer, mon ambition est de le garder ouvert à tous. D'ailleurs, c'est une règle. Quelle que soit sociale, qu soit sociale ou politique, le slip accepte toutes les positions. Attention! Ce n'est pas un fourre-tout pour autant. Il agira dans les règles de l'art et fera des propositions concrètes. En d'autres termes, je voudrais qu'il respecte les formes en veillant toujours à coller au fond. J'ai remarqué que tout parti politique qui se respecte, ça doit un jour ou l'autre l'image d'un artiste pour sensibiliser l'opinion. C'est ainsi qu'on a vu Lynn Renault, Souvenir Chirac, Jean Ferrat, le Parti communiste, Johnny et Sarkozy. J'ai longtemps hésité avant de choisir un porte-drapeau et puis je me suis rendu à l'évidence. Personne, personne ne portera mieux que vous les couleurs de mon slip. Oh, bien sûr, il ne s'agit pas d'y adhérer tout de suite. Non, mais déjà à l'occasion, si vous pouvez venir me donner un petit coup de main dans le slip, ça me ferait vraiment plaisir. Un petit coup de projecteur, quoi, une, une photo, un petit mot. Il faut le faire connaître. L'union fait la force. Je sais que je peux compter sur vous. Mon slip sera bientôt le vôtre. Hasta la Victoria Simple. Jean-Luc, petit bateau. Monsieur, je suis un de vos plus grands fans. Vous trouverez si joint une photo qui le prouve où je me cogne à un lampadaire dans un costume des années 70. Tout paraît que vous. J'ai eu l'idée de cette petite mise en scène à ma sortie du salon de coiffure quand je me suis fait teindre en blond et friser les cheveux. Bon, c'est vrai, malgré le lampadaire, la ressemblance avec vous n'est pas encore frappante. C'est sans doute un peu à cause de mes origines congolaises. Mais quand même, c'est déjà pas mal, non Je rejoue comme ça régulièrement aux cascades, chutes ou maladresses en tout genre, et je dois dire que ce n'est pas de tout repos. C'est même un peu douloureux à la longue. Mais je ne me décourage pas, il faut ce qu'il faut. Et puis, ça fait quand même moins mal que quand j'étais fan de Superman. C'est d'ailleurs juste après, à l'hôpital, que j'ai décidé de changer d'idole. J'avais la télévision dans la chambre et je me suis découvert une passion pour le Tour de France un déclic, une évidence. Il fallait que je fasse pareil. Dès ma sortie, j'ai donc cassé ma tirelire et j'ai foncé m'acheter la drogue. Quand les gendarmes m'ont embarqué, ils n'ont pas été sensibles à ma passion pour le vélo. Ils m'ont bien expliqué leur incompréhension avec leur matraque. C'est pas bien grave. Pendant qu'ils me parlaient, j'étais déjà fasciné par leurs jolis uniformes et le gyrophare sur leurs beaux camions. Je cherchais déjà dans ma tête le moyen d'avoir la même chose. Et c'est comme ça que je suis devenu éboueur. C'est dans la poubelle, une poubelle, que je suis tombé sur un magazine avec une photo de John Lennon et Yoko Ono. C'est sans doute ma période la plus difficile socialement, la période John et Yoko. Ne sachant pas auquel des deux m'identifier, j'ai fait un mélange. Les gens n'étaient pas prêts dans le quartier à me voir avec une longue barbe et une mini-jupe, ça a jasé. Et puis, ce n'était pas bien pratique hein, pour monter sur le camion-boubelle. Du coup, à force de me voir louper la marche et tomber dans la benne, mes collègues m'ont comparé à vous. C'est comme ça que j'ai eu la révélation. Vous êtes devenu mon modèle. Mes amis me disent que je suis un petit peu influençable. Bah, je ne trouve pas. On a tous besoin de repères pour nous montrer le chemin. Vous avez sûrement eu les vôtres, non Vous avez bien dû rencontrer des gens qui ont changé votre vie. Je suis sûr que vous me comprenez, que vous serez d'accord pour m'aider. Je voudrais donc prendre des cours de vous, pour me perfectionner, un peu comme un stage, une école. Il suffirait de nous voir trois, quatre ou sept fois par semaine, et vous serez vite fier de moi. Avec tout ce que je vous ai raconté, il y a de quoi vous rassurer. Vous voyez que je suis un garçon sérieux. Je ne fais pas les choses à moitié. Je vais au bout. Dites-moi vite quand nous pourrons nous rencontrer à mais vous pouvez m'appeler Pierre II. Monsieur Pierre-Richard, je ne dirai pas par quatre chemins. Hop, hop, hop. Je suis comme ça, moi. Il faut que ça bouge. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais j'ai failli avoir mon heure de gloire, moi aussi. C'était l'an dernier. J'ai entrepris une traversée en solitaire à la rame. Et quand je dis à la rame, c'est pas comme les autres escrocs qui en prennent deux. Non. À la rame, c'est à la rame. Attention, je suis adepte des sports extrêmes. J'aime le danger, mais j'ai conscience des risques. Je ne suis pas une tête brûlée. Je suis même bien préparé. Je suis comme ça, moi. Hein. Hop, il faut que ça aille vite. Ensuite, j'ai construit moi-même mon embarcation, avec soin tout particulier pour le matériau. Il m'en fallait un léger, facile à modeler, résistant au choc et surtout pas trop cher. Ce dernier critère m'a fait opter pour le papier mâché. À ça. Il avait fière allure, mon radeau. Le jour du départ, personne n'y croyait. On s'est même un peu moqué de moi. Sûrement à cause de la rame. Et je dois reconnaître qu'au début, moi aussi, été un peu surpris de tourner en rond. N'empêche que quand le radeau a coulé, j'étais bien content de l'avoir, cette rame, pour m'y accrocher. J'ai malheureusement dû la lâcher à cause du froid et des courants. Tout le monde a retenu son souffle, même moi j'ai eu peur. Sûr que si j'avais pas eu pied, j'y restais. Le spectacle était total. Curieusement, il n'y avait pas beaucoup de journalistes pour couvrir mon exploit. Juste un correspondant local qui a fait un petit article, Le con de la rivière Pouaille. J'ai bien compris que c ce qu'il a voulu dire. Hein. Mais au moins, il y avait ma photo. J'ai pas tout perdu. Ça ne m'a pas découragé. Hop, hop. Je suis tout de suite reparti vers des nouvelles aventures. Je suis comme ça, moi. Il faut que j'avance. J'ai d'abord pensé à, à de l'escalade. Mais chez moi, dans la Beauce, on ne peut pas la pratiquer qu'à plat. Du coup, je me suis dit, un truc, puisque je n'ai pas le temps de me déplacer, il faudrait que les activités viennent jusqu'à moi. Et hop, c'est comme ça qu'est née mon idée de parc d'attractions de l'extrême. Vous qui n'avez jamais hésité à prendre des risques dans vos films, vous êtes le parrain idéal pour mon entreprise. Avec vous, je sais que je vais trouver des sponsors. Le principe est simple, toujours plus loin, toujours plus haut. Fini le grand 8, sans surprise. Je viens d'inventer le grand 9. On sait d'où on part et hop, on ne sait pas où on arrive. Sans parler du saut élastique sur la grande roue, du train fantôme tamponneur ou même du tir à la carabine. C'est quand même dommage de viser des ballons et des petits canards alors que juste à côté, il y a le manège des chevaux de bois. C'est plus excitant de tirer sur les chevaux, ça bouge davantage et les enfants seront ravis d'avoir des tours gratuits. Mon accroche publicitaire sera axée sur la surprise et la nouveauté. J'ai pensé à ⁇ Allez-y, vous n'en reviendrez pas ⁇ Alors si vous avez des idées, je suis preneur. En échange de votre soutien, je vous propose un accès libre à la vie sur tous les manèges. Répondez-moi vite, Franck Hulot. La crise sanitaire qui frappe le pays depuis maintenant des mois prive le public de toutes les programmations de la saison culturelle du Conseil départemental de la Somme. En attendant de pouvoir vous retrouver prochainement en vrai et d'entendre vos rires et vos applaudissements... Je suis heureux de partager avec vous et mes autres collègues artistes ces lectures d'un jour. Je lis un petit peu quand même le, le, le truc. Hein. Non mais ça ne le coupez pas, c'est très drôle.